Le déplacé interne de Fizi dans le territoire du Sud Kivu demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la prolifération de groupes armés qui sèment l'insécurité et des violations des droits de l'homme. Ce déplacé recommande aussi au gouvernement d'assurer une prise en charge des écoles publiques à Fizi et ailleurs, mais aussi de réhabiliter la route nationale numéro 5 qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Ces recommandations sont contenues dans un cahier des charges de déplacés internes et autres groupes affectés par les crises humanitaires dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. Ce cahier des charges a été déposé entre les mains du ministre provincial de l'Éducation, Geneviève Mizumbi, représentant du gouverneur du Sud Kivu. C'était au cours d'une activité de plaidoyer sur l'éducation et la protection des civils tenue à Bukavu, au Sud Kivu. L'activité a été organisée par l'ONG Action Aid. Le chargé de programme de cette organisation, M. Désiré Balekage, a dit que cette activité entre dans le cadre de création d'un environnement propice d'accès à l'éducation de base et protection communautaire pour les personnes vulnérables dans les situations d'urgence dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. L'objectif, c'était juste d'approcher nos bénéficiaires du gouvernement. Donc, on a voulu créer un cadre d'échange entre les membres du gouvernement provincial, les autorités scolaires, les partenaires humanitaires et les bénéficiaires. D'abord, leur dire de ce que nous faisons, de ce qu'Action Aid fait comme activité, qu'est-ce qu'ils ont déjà bénéficié de Action Aid, mais aussi parler des défis rencontrés pour que, ensemble avec le gouvernement et avec les autres acteurs humanitaires, nous puissions réfléchir ensemble pour chercher comment trouver des solutions à ces défis. Dans le cadre de l'éducation, nous avons réalisé beaucoup d'activités, c'est-à-dire on a distribué des kits scolaires aux élèves, on a organisé des formations de renforcement des capacités des enseignants, on a construit des écoles, on a réhabilité des écoles, on a créé des espaces protecteurs pour les enfants. Et aussi, nous avons facilité aussi l'échange d'expérience. Les défis, il y en a beaucoup, beaucoup. Par exemple, d'abord au niveau du territoire de Fizi, où nous intervenons avec notre partenaire, notre bailleur de fonds ECO. On a des défis qu'on a rencontrés là-bas. Donc, il y a une insécurité grandissante au niveau de cette zone là-bas. Et ça crée des difficultés. Il y a aussi des défis liés à l'accès physique dans la zone. Donc actuellement, pour arriver dans la zone de Fizi, ce n'est pas facile compte tenu des mauvais états de route. Il y a aussi cette prolifération dans les écoles parce qu'on a trouvé qu'avec la gratuité, beaucoup de parents ont préféré envoyer leurs enfants à l'école et cela a créé des promiscuités dans les classes. Alors l'idée c'était que de voir comment créer ou pas créer, mais comment agrandir, comment améliorer, comment construire d'autres salles de classe pour essayer un peu de respecter les principes là de distanciation pour lutter contre le COVID-19. L'administrateur assistant de Fizi, Aimé Zeimana, a dit que le gouvernement provincial est déterminé à mettre tout en œuvre pour résoudre les problèmes qui bloquent le développement de Fizi. Tumeanguka, tumepanda milima, tumechoka. Ilikuwa ni sababu tulipatia importance kabambi hiki kao. Isingelikuwa vile je vous dis, sisi ambao tulitokia Fizi kufika hapa haikuwa fasi. Kamata tu habari ya ngomo utasikia ni hatari. Et prenons aussi route zetu de Fizi paka baraka kama agitation ya mai tunapitia kwenye maji ni hata yani tukitaka kuonesha umuhimu munene ambayo tulipatia hii kikao na ambayo tunapatia muhifadhi wetu Akshene. Kwa kweli Akshene alikuja kusaidia gouvernement congolais mambo mengi, amesaidia kutujengia majengo mbalimbali. Kingine nitasema ni asante kwa muhifadhi wetu Action Aid
kwa kuweza kusiple territoire ya Fizi kukua beneficier ya maproje ambayo walituletea. Na vile vile wasichoki sababu bezwe ingaliki mingi. Baendeleye kuwaza kuetendre maproje zao paske territoire kwa ya kabambi sana. Mama zamani wa Fizi hakukua na mahali pa kuongelea maproblemi zake. Leo pa Fizi kuna kuwa ile jengo lakini ni ndogo. Sababu mama wa tuseme wa Bibokoboko kutoka Bibokoboko kwenda Baraka munasikia kama kuko trajet munene na kuko riske za kabambi. Senyata kurir, hafa afike kuenda kujiripotia wala kutafuta suluhisho kwa probleme yake. Donc, kitaweza tukajikuta, oletu ya kutatua probleme, tunakwenda kuongezewa ingine probleme. Prenons l'exemple, nilikuwa na probleme mnyumba, mimi mama wa Bibokoboko, niko naenda Baraka, ili kuweza kusikilizisha wa mama wenzangu na kutanana na probleme ya vyole njiani. Oleni pate suluhisho linaongezea problemi kwenye. Ingekua vizuri kuenda kumunangalia koma kuongeza majengo ambazo ziko na importance munene vile kwa kila mahali kwenye kuko maproblemi. Zita tosha sababu munariske kukua muna tuasiste kila siku kwa siku tuko na problemi ya njaa. Na ile njaa ilikuja sababu ya mavita. Leo territoire ya Fizi mnaielewa kwamba iko zone au iko territoire ambayo watu wote magroup armé zote siku zinakimbilia kule. Avec ma problème zenye tuko nazo lié ku ma conflit ethnique au ma entre communauté zinatumana watu hakuna stabilité ya population kwa kuko ma mouvement ya population. Nikiwa nimesha lima shamba, kesho ninaiacha, ninakimbia, ninaenda na kwa nja. Ila tulitatu tuseme, mungeliwaza osi koma kusaidia wale wa mama au population au wale ba deplase, koma kuwapatia bitu vya kukawia. Telke olie mwapatie maassistance za vivre, ngelikuwa vizuri kuwafundisha kwa makulima, wapatia masemansi, porke, tuangali kama njai na tunaweza tukaikimbiza. Kungambo ya masomo, muliweza kutujengea, muliweza kurehabilite, na wengine hata waifazi wengine waliweza kusaidia. Ila wengi wanakuja ni mkadri ya urgence. Muirgence banakuya wanakutengenezia ni mabashi na mingine venye halitakawia. Ngilikuwa mzuri muendelee kutusaidia vitu venye vitakuwa na kawia kadri ya pyramidisation. Tunaendelea kwa ngambo yetu sisi divanema. Tunaendelea kujikaza kuboresha sekurite paske ni question yenye iko Bukavu. Tumeanguka, tumepanda milima, tumechoka. Ilikuwa ni sababu tulipatia importance kabambi ikikao. Isinge ilikuwa vile je vous dis, sisi ambao tulitokia Fizi kufika hapa haikukuwa fasi. Kama tatu habari ya ngomo, utasikia ni hatari. E prenons aussi route zetu de Fizi. Paka Baraka, kuma agitation ya mai, tunapitia kwenye maji ni hatari. Yani tukitaka kuonesha umuhimu munene ambayo tulipatia hii kikao na ambayo tunapatia muhifadhi wetu Akshene. Kwa kweli, ActionAid alikuja kusaidia guvernema kumbole. Mambo mengi, kama gisi
wandugu, watoto zetu wamekisha kushuhudia. Amesaidia kutujengea majengo mbalimbali. Don mama mwenye iko presidenti wa mama wa deplasi wa huu emwe plato amekisha kusema mu action aid aliendelea kutusaidia kungambo ya kuboresha education kwetu territoire ya Fizi. Ni mengi vraiment nikisema ni rudilie, c'est comme si ndakwani kuna rudilia mambo ambayo wamekisha kusema. Kinyi nitasema ni asante kwa muhifadhi wetu Action Aid kwa kuweza ku sipler territoire ya Fizi kwa beneficiaire ya maprojet ambayo walituletea. Na vile vile wasichoki sababu bezo ingaliki mingi, baendeleye kuwaza kuetendre nale maprojiza paske territoire iko ya kabambi sana. Même son de cloche pour le maire adjoint de Baraka. Kiwa watu wanajanga au kuna shida, ndio shida ina mwenye nayo hata ndani ya jamaa, lakini akiwa na shida yeye inaomba tu watu wengine waje kumsaidia kupiganisha ili shida hilo litatuliwe. Na kwa kweli mtaa wa Fizi wa zamani ukiwemo ambao umeunganishwa ukatolewa ndani vile ya Baraka una matatizo mengi sana. Una matatizo ya kiutu, pia kuna matatizo makubwa ya vitu na mambo. Kwa kweli tatizo la mizozo ya kikabila ambayo inatia vita na usalama mbovu, kwa kweli matatizo ya asili ambazo zinanyanyasa mwanamke bado zipo nyingi. Kwa kweli matatizo kuhusu ukosefu wa mabarabara ambao mingine mikubwa sana, idadi kubwa ya mingine inaishi bila barabara na kuingia hapo ni ngumu. Na kwa leo matatizo ya janga za maji ambayo inabomoa na mabarabara, lakini inabomoa na nyumba nyingi sana. Mazingira ni magumu, na tulipoona msaada wa Action Aid miongoni ya wengine, sababu kuna shida na tunaona Action Aid inatuletea mchango wake kwa kutatua kiupamoja shida ambayo yuko, watoto wangesoma namna gani, wazazi wakiwa wapo hapa kesho milio ya bunduki wanatoka wanaenda hapo. Action Aid inafata pale ambapo watu wako wahamiaji, inawafata huko na inaonyesha ile upendo wa kusema ndio watoto hawatasoma vizuri sana lakini wasikose kusoma. Labda nitamuongezea kusema ya kwamba wanasoma pia, wangeongeza kitu kingine cha kusema watoto wengi hawaandikwi, hawajulikani. Labda mradi wa masomo ungeshindikizwa pia kwa ile chumba cha wamama, labda kuongezea kuandika idadi ya watoto ambao wanazaliwa au kuandika watoto ili idadi yao ijulikane. Plusieurs organisations œuvrant à Fizi sont revenues sur la réalisation de Action Aid. Tunashukuru shirika letu kwa mambo ambayo wanaendelea kutusaidia sisi wa mama. Pale wanatujengea jengo ambalo tunaita ni
ukumbi wa wamama. Tulipata jengo kavambi pale mzuri sana ambalo tunalifurahia na tunaendelea kulifurahia sisi kama vile wamama. Tunashukuru shirika letu kwa assistance yenye banatufanyia pale kwetu Fizi Centre. Sisi kama vile wamama wa deplase. Balifika pale wakitusaidia makite hygienique. Ile makite hygienique inatusaidia me tulipeleka recommandation wakwe na tupatia ile makite mensuellement parce que ni kitu yenye iko utilize muma periode. Tulishukuru sana kwa ile. Tulipata assistance pale ya msaada kidogo wa chakula. Tulishukuru sana kwa shirika letu. Na tunapeleka recommandation bazidi sana kututembelea pamoja na kutuhamasisha sisi kama vile wamama. Tunaishi kumamilie mpere kile kumakampanye. Kule kwetu tunaomba msaada wa mafunzo. Juu kama wamama kule wengi wetu tuko chini sana, tujue kama mwanamke naye anaweza simama mbele ya wanaume na kusema neno au na kufanya kitu kidogo. Lakini kupitia mashirika ya haki ya kibinadamu banajaribu kutuonyesha na wanatukusanisha kutuambia kama mwanamke na wewe uko na wewe na haki ya kusimama mbele ya wababa na unasema neno moja. Kwa hiyo tunaendelea kuomba shirika letu la CNED lisituachilie. Baendelee kututembelea, kutufanyisha mafunzo, kutufundisha pour que tusibakie chini. Pale kuepeka lembelembe mkera na kuakana masomo ya milango 12. Ile milango 12 yenye kuakana jengewa ni milango 7. Kwenye napenda action yede tusaidie ituongezee ile nyingine milango 5 jie ne 12 sasa wote tuanze soma usubuhi. Natokea Kilita zone ya Fizi, niko mwanafunzi. Ni shirika ya action yede ilitusaidia sana, ilituletea makae biskuti ya rattrapage. Tuko nasoma mara pili, katuletea kite skole. Sasa tuko na milango 6 na tuko na soma vizuri. Tunajengwa milango 4, tunawekea milango 2. Tunaomba mtujengele milango 2 na wese na pipitre na sima, mtutilie na plafond. Kina kikundi cha wanaume wanaita Gurdo. Kazi ya sisi ile kikundi ni kusisimua wanaume wajue haki ya mwanamke na kujua haki ya mtoto. Juu pale zamani mwanaume hapa anatoka mwanamke anaweza kuwa sawa sawa. Wewe mwanaume mwanaenda na bibi yako kushamba. Bibi yako analeta kitunga na ile mpanga yako na majembe yote, wewe kutuna raju tu huko kwa unatembea tembea tu barabara mpaka mnashuka. Lakini kwa leo tunawasisimua wajue kama mwanamke naye anapasha kuwa na haki zake. Kuko mwanaume moya alitaka kumpiga bibi yake. Kwanza nashukuru Action Aid sana kwa kujengea ile centre pale kwetu Baraka. Mwanamke anamwambia bwana yake, mimi naenda kushamba ile poo utaacha naimwaga kule. Anataka kupiga bwana, tukamkaribia. Kupiga bibi, acha bwana. Bwana ananiambia nitoe ile poo kule mimi. Juu ya nini? Tukapanda. Pale tunajengewa nyumba na Action Aid ya mashauri. Usiku naona tu mwanamke anasema unapiga. Unaona mwanamke akusonga bugali unapiga. Tunashukuru Action Aid sana kule kutu Baraka. Alitupatia sisi wanaume ule mradi wa kusisimua wanaume wenzetu wajue haki za mtoto na haki za mwanamke. Asante sana. De manière positive, Action Aid itenda mengi ambapo umesikia ushuhuda kupitia wanafunzi wetu. Wametuasiste mu cours de récupération kama vile watoto walisema. Balifanya le renforcement des capacités au corps pédagogique
hata même formation ya certains clubs d'enfants mpaka leo zinatumika bali tusaidia quelques dispositifs de lutte contre COVID-19 sur des lavages ainsi de suite mais de manière négative ou bien aspect négatif ça fera en quelques termes nos recommandations. Donc il y a eu un afflux d'élèves suite à la gratuité de l'enseignement primaire, mais aussi des multiples guerres dues aux conflits armés. Alors, le niveau de capacité de nos salles de classe est totalement insuffisant. Donc, nous prions au ministère ainsi qu'au bailleur de pouvoir nous assister vraiment dans cet aspect-là. Il y a une autre recommandation, l'amélioration et implication dans l'insécurité. C'est-à-dire, le territoire de Fizi, chers participants, chers invités, à l'heure qu'il est vraiment et bâti vraiment des conflits intercommunautaires. Il y a de multiples conflits intercommunautaires qui sont à la base des mouvements de la population, surtout dans les moyens plateaux. Quand on dit moyen plateau, on voit Fizi, les chefs liés, ainsi que le littoral de la lac Tanganyika. Et ces conflits armés sont vraiment, se prévont au niveau du haut plateau, Minembwe, et tout de suite. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Alors, chez nous, il y a un afflux d'élèves déplacés, des mamans, telles que les mamans ont dit là-bas, tout ça vraiment font état des besoins ou bien des recommandations sur les résolutions ou bien ensemble on peut voir comment on peut lutter contre ça, Bayer ainsi que les ministères. De manière brève et la conclusion, nous tenons à remercier très vivement le Bayer ainsi que la chaîne. Quand on dit Bayer, si je voudrais dire l'écho et la chaîne ensemble, de manière qui se sont vraiment donné courage et âme de concrétiser au moins à 95% leurs activités. Compte tenu de la situation sécuritaire que vit notre pays à l'est, surtout dans les territoires de Fizi, où la violation des droits de l'homme est à grande échelle, les enfants sont violés, les femmes également, les taux de vulnérabilité aux personnes déplacées est beaucoup plus élevé. Plaidons ce qui suit au gouvernement de la République d'instaurer l'autorité de l'État dans toute l'étendue de la République, d'améliorer les conditions de l'enseignement dans les zones affectées par les conflits ou dans les milieux ruraux. Nous plaidons également à l'homme actionnaire de continuer avec ses activités ou ses projets. Je dis et je vous remercie. Mais à côté de toutes ces interventions, il faut dire que le défi est énorme, surtout dans les domaines des infrastructures, où en cette période de gratuité, nous assistons à l'afflux des élèves, ce qui entraîne des effectifs pléthoriques. En ce qui concerne justement les infrastructures, on constate que des écoles primaires locataires manquent de bâtiments propres. Des écoles primaires construites en paille. Des écoles sans abri à la suite de leur destruction due par des guerres à répétition. Plusieurs écoles dépourvues de mobilier, bancs, pupitres, chaises, tables, étagères, etc. Absence de points d'eau, surtout en cette période de la pandémie de COVID-19 et des maladies des mains sales.
insuffisance des latrines, etc. S'agissant du pléthore, c'est la réalité que tout le monde connaît. La gratuité a entraîné l'afflux de plusieurs milliers d'élèves sur le chemin de l'école. En ce qui concerne la formation, il faut souligner que cette dernière joue un rôle important sur la qualité de l'enseignement. L'IPP Sud-Kivu 2 demande à ce que, prime, que les partenaires HLR étendent ses interventions dans certaines écoles non ciblées afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Secondo, que les partenaires Action Aid fassent un plaidoyer auprès de ces bailleurs afin d'ouvrir une ligne budgétaire dans leur projet en faveur de l'IPP Sud-Kivu 2. Ces gestes permettra à ces services techniques de l'État d'améliorer la qualité de ses prestations. Résumé en ce que nous appelons la trilogie inspectorale, c'est-à-dire contrôler, former et évaluer les activités scolaires. Je dis et je vous remercie. Aux collectivités, localités où ils interviennent. Et cette protection communautaire passe notamment par la capacitation de femmes, mais aussi par la sensibilisation des femmes et des hommes. Les femmes ne peuvent rien sans les hommes et vice-versa. Et nous savons tous que la femme, c'est la cellule de base de la famille et donc de l'éducation de l'enfant. On ne peut pas améliorer l'éducation de l'enfant et l'accès sans passer par sa maman, qui est la première à transmettre cette éducation de la maison, de la famille. J'aimerais souligner ici, j'ai suivi certains plaidoyers des uns et des autres, l'amélioration de la situation sécuritaire en Fizi, tout comme dans la province du Sud-Kivu et en RDC, ne dépend en rien des bailleurs de fonds. C'est une responsabilité principale du gouvernement congolais. Et cela étant, c'est une responsabilité de tout le monde. Au niveau de Fizi et ailleurs, il y a plusieurs groupes armés, étrangers comme locaux. Il y a des bandits, il y a des kidnappings, il y a des embuscades, des coupeurs de route. Et il y a beaucoup de choses qui sont faites par des enfants, des natifs de là. C'est-à-dire l'implication communautaire doit jouer un grand rôle pour sensibiliser dans les buts de décourager. L'activité a été clôturée par le ministre provincial de l'éducation, Geneviève Mizumbi. Très heureuse d'être parmi vous cet avant-midi, dans ce beau cadre de l'hôtel Moukaouzi, à l'occasion de cette activité de grande importance, inscrite dans le cadre de plaidoyer sur l'éducation et la protection des civils, sous les thèmes « Améliorer l'environnement protecteur des personnes affectées par les violences intercommunautaires, rôle des acteurs clés que nous sommes tous ici. » En effet, hier, quand j'ai reçu l'invitation pour participer à cette activité, après l'entretien en mon cabinet au sujet du travail que Action Aid est en train d'implémenter dans différents territoires de notre province, dans les sous-secteurs de l'éducation et principalement dans la protection des populations civiles, j'ai été émerveillée par le programme en lui-même
du fait que les actions telles qu'entreprises par ce programme visent à appuyer réellement le gouvernement tant national que provincial dans sa politique de l'éducation. J'ai été aussi émerveillée de voir que le programme a comme approche de prioriser le renforcement de la sécurité et l'autonomisation des bénéficiaires afin de réduire les risques de protection, d'améliorer l'environnement d'apprentissage sûr et de qualité pour tous les enfants, surtout ceux touchés par les crises récurrentes et à répétition dans notre province et victime et de créer des moyens de résilience. Cette activité est d'une importance très capitale pour nous, les acteurs clés du système de l'éducation et de la protection, parce qu'elle nous offre une possibilité de nous imprégner de réalités de terrain et de savoir ce que pensent les uns et les autres à ce sujet. C'est pourquoi je ne saurais clore mon propos sans remercier le partenaire Tchenet pour son appui technique et financier en faveur des bénéficiaires. Et j'en profite pour rassurer notre soutien, le soutien du gouvernement de la province et surtout du ministère de l'Éducation à l'accompagnement de ces projets et de ces acquis. C'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, et à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud-Kivu, qui ne ménage aucun effort pour l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la protection des civils. C'est sur cette note, je déclare officiellement que nous allons prendre avec considération les recommandations de cette activité pour ce qui nous concerne et transmettre celles qui concernent les autorités hiérarchiques à leur niveau pour des fins utiles.